Un village artisanal plein de richesses culturelles de diverses communautés nationales et internationales. Voilà l'une des attractions de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso. Ici, les différentes communautés de la région des Hauts-Bassins ou du Sud-Ouest sont fortement représentées. De la boisson en passant par des objets traditionnels, tout le monde y trouve son compte. Sur ce site, certaines communautés burkinabées assez minoritaires comme les gens mettent en avant leur identité et leurs valeurs culturelles. Bon, c'est que présentement cette communauté n'est pas bien connue. Pas bien connue, ça c'est sûr. Parce que effectivement, il y a une tendance à, comment on appelle, à fusionner avec pas mal d'autres ethnies qui sont à côté de nous. Nous avons beaucoup de choses dans la culture, en matière de choses. Comme vous constatez, par exemple, tout ça, ça fait partie des éléments de culture. Par exemple, si je vois, ça c'est pour transporter du bois par les femmes. Ça c'est pour nous, vous savez. Il y a plein de choses comme ça. Et tout ce que vous voyez là, les éléments de balafon, les trucs de culture, les trucs de, qui servent à faire du fétichisme, tout ça. Bon, ce sont des particularités en fait de la communauté. Contrairement à ce que les gens pensent du djan, parce que sur le plan culturel, le djan n'est pas tellement connu comme ça. Voilà. Alors que nous avons beaucoup de choses à démontrer, à montrer en tout cas au monde entier. Voilà. Donc je pense qu'il a déjà abordé d'autres. Et que moi, ce que je voulais ajouter, c'est juste que les gens reconnaissent, ce que les gens connaissent sur les pas de danse djan, c'est uniquement lors des funérailles. Voilà, c'est ce volet-là qui a été beaucoup plus développé, alors qu'il y a des danses, des pas de danse de réjouissance. Voilà, donc nous voulons développer cet aspect-là, ce côté-là, pour que les gens puissent voir, savoir quand est-ce, quand on voit tel ou tel pas de danse, ça a trait à quoi? Est-ce que c'est des funérailles ou bien c'est des pas, c'est au moins des réjouissances? Voilà, donc c'est ce côté-là, moi, je voulais un peu ajouter. Une boisson assez particulière est à déguster dans ce village. Il s'agit du dolo de fleurs d'oseille. Cette boisson faite à base de sucre et du jus de fleurs d'oseille soigne l'arthrose et est un bon digestif. À côté de cette communauté, il y a celles sénégalaises, guinéennes, maliennes, béninoises et congolaises. Elles exposent toutes sortes de produits locaux et des objets d'art. Venus du Congo, Monsieur Ndala nous fait découvrir une spécialité assez particulière de son pays. Généralement, on met dans l'eau. Cette quantité, ça peut nourrir au moins 10 personnes. Cette petite quantité. Lorsque vous mettez dans l'eau, ça va gonfler, ça devient comme les oreilles. C'est pourquoi on appelle ça maïbo makoutou. Makoutou, c'est dans la langue maternelle de maman dans le Bas-Congo. En français, veut dire les oreilles. Donc, ça devient comme des oreilles. Et on prépare ça en compagnie de poissons salés avec des chimies. Et avec la pâte d'arachide, avec le taux, soit des chipmunks, si vous mangez, non, c'est comme si vous aviez mangé, mais la mort est toujours là. Au Bénin, un plat qui est bien prisé, c'est la cassa fait à base de son de maïs. Il est proposé par la béninoise Madame Konou qui nous confie que pour mieux déguster ce plat, il faut lever ceci en langue béninoise qui veut dire sauce pimentée. Bon, c'est le maïs. Il faut décortiquer le maïs, tremper et puis 2-3 jours. Maintenant, quand tu obtiens la farine, il faut tamiser encore à l'égypte. Et c'est l'amidon là qu'on prend pour faire la cassa. C'est pour ça que c'est tellement léger. Bon, communément, nous on appelle dans notre langue yébé ceci. C'est une sauce faite à base de piment, bien pimenté, tomate et choses là. Et la sauce feuille avec beaucoup de pistache. C'est comme ça chez nous. Vous avez la sauce feuille. Nous aussi, on travaille, nous on en fait. Il y a des pistaches, il y a poisson, il y a un peu de tout. Ce sont 43 communautés qui étaient présentes au village, des communautés dont 29 nationales et 14 étrangères.